Bonjour. Bon, on est dans mon inbox tous les jours. Que fait le direct? Fais le direct. Me voilà en direct. Ok. Je suis là aujourd'hui parce que je veux rappeler à quelqu'un. Je veux rappeler que le travail que tu es en train de faire depuis là n'est pas en vain. Avant qu'on ne tombe sur ma page, vous étiez dans le trou. Ça faisait 10 ans que tu faisais les mêmes choses. Les mêmes choses. On n'avançait pas. J'étais dans ton église là depuis. Rien n'avançait. Depuis que tu es tombé sur mes vidéos et que tu t'es vraiment mis pour écouter ce que j'ai dit, premièrement, tes dons se sont activés. Ce n'est pas n'importe qui a le don d'activer les autres personnes. 2016, février 2016, j'étais à l'église pendant le service. Le Seigneur me dit, tu es une incubatrice de talent. À l'époque, je ne savais pas ce que c'était. Tu es une incubatrice de talent. C'est pour ça que le nom, c'est The Gift Digger Academy. Donc, la creuseuse de talent. La femme que j'ai commencé à croire que je serais à ce moment-là et celle que je suis en train de devenir aujourd'hui, c'est exactement ce que Dieu m'a montré. Mais il fallait que j'aie le courage de croire. Tu vas rester dans 6 mois. Tu vas voir les projets que tu as en train d'accomplir comme ça là. Tu n'auras que les larmes aux yeux. Beaucoup d'entre vous, vous doutez de vous. Je veux te rappeler ce que tu as déjà commencé à faire. Il y en a parmi vous, on vous a déjà assis sur les chaises. Il y a une période de parler couronnement, couronnement. Vous n'avez pas acheté votre couronne, non. Votre problème, c'est que vous avez un pied dedans, un pied dehors. Et pense à vous-même, ça m'énerve même. Je suis bloqué, je suis bloqué, je suis bloqué. Tu es bloqué, on fait les trucs qu'on te donne, tu n'utilises pas. Pourquoi? Tu n'utilises pas. Vous voulez quoi? Il y en a parmi vous que vos nourrices, vos mamans, certains, vous avez les mamans qui connaissent, elle t'a accouché, tu es sorti son ventre, mais elle te déteste. Ces personnes vous ont gâté. Donc, tu n'étais même pas censé être encore en vie aujourd'hui. Mais te voilà, non. Te voilà, non. Certains, tu es parti sortir avec un homme qui était un agent du diable. Lui-même, il ne connaissait pas. Hein. C'était un agent du diable qui ressemblait. Je dis bien ressemblait. Un agent de lumière. Oh non, moi je suis aussi la reine Jocelyne. Ne vous dérangez pas. Quand vos gars vont vous décourager de me suivre là, quittez calmement. Vous reviendrez dans 2 ans. Je vous attends. Moi je suis votre petite soeur là qui ne partira nulle part, qui est là. Un peu young. La carte que l'ennemi va beaucoup jouer sur vous, c'est la carte du doute. Et la grâce que j'ai souvent, c'est que le Seigneur va parler de moi aux gens et ils vont venir me dire. Il m'a dit vraiment, même moi que parler, il va te donner un rêve. Tu me vois dans le rêve, je t'ai fait telle chose, je t'ai fait telle chose. C'est mon message comme ça là, tu ne sais même pas. Bonjour la reine Pauline.
Ça, c'est mon message, tu ne sais même pas. Ta foi doit être tellement active. Écoute, si tu quittes derrière moi, tu quittes de ma page. Je ne vois pas là où tu es encore parti jusqu'à trouver ta part. Les gens tombent sur ma page, ils font ce que je dis. Une femme a fait le témoignage l'autre jour. Donc je vais chercher son témoignage. Ça fait peut-être 4 mois qu'elle paye la dîme chez moi. Elle dit, j'ai terminé mon kit fondation la semaine dernière. J'ai eu de bonnes nouvelles. Ma petite soeur qui travaille en tant que médecin au pays, qui cherche depuis un moment le moyen de venir en Europe pour une spécialisation dont je m'occupe, a finalement été contactée par un hôpital en France qui lui donne un stage tout payé avec logement et nourriture inclus, plus un salaire au SMIC. Donc on te paye pour que tu étudies et tu n'es pas européenne. Hein? Et c'était elle qui était à la charge de cette fille. Donc, vois comment Dieu t'enlève une charge. Donc, peut-être un 600 euros chaque mois que tu devais envoyer. Bam, Dieu te libère. Continuons. Qui lui donne un stage tout payé, avec logement et nourriture inclus, plus le salaire au SMIC. Et ils ont fait tous les papiers. Vous savez ce que ça coûte de faire les papiers de quelqu'un, non? En 3 mois, la fille a commencé à payer sa dîme. Elle a fait un coq pour elle, un coq pour son mari. Elle a fait le lavage 2 fois. Elle les lave à distance. Attendez, continue. Peut-être vous pensez que c'est tout. Moi, elle ne doute pas de moi. Continuons. Mon mari aussi, qui avait passé un entretien d'embauche pour le boulot, mais comme il ne parlait pas bien l'anglais, il était convaincu qu'on n'allait pas le prendre. Il cherchait lui seulement un boulot de 80 000 euros le mois, l'année, pardon. Je déclare que vous allez souvent avoir 80 000 euros le mois au nom de Jésus. Je déclare que d'ici peu, tu seras dans les 80 000 euros le mois, je ne dis pas l'année. Actuellement, tu n'as même 15 000 euros l'année de dépasse, non? Mamie. Ta vision est en train de s'ouvrir. Reçois ici ta vision ouverte. Reçois l'ouverture de ta vision. Reçois, reçois, reçois. Ce n'est qu'un problème de vision. Tout est dans la vision. Si seulement vous saviez. Tout est dans la vision. Le truc, c'est que ça ne te coûte rien d'ouvrir ta bouche et dire, je reçois 80 000 euros le mois. C'est vrai que c'est inimaginable pour toi pour l'instant de voir 8 000 euros. Parce que même 2 000 euros, tu n'as pas. Parle. 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 Jusqu'à ce que tu voies. Open your mouth. Parle jusqu'à ce que tu vois. Je vous libère l'espace pour parler, pour croire. Tu ne mourras pas pauvre. Ce que l'ennemi t'avait volé depuis 15 ans que tu étais censé avoir. Quand Dieu va commencer à te donner. Dis, ah, donc c'était possible d'avoir aussi l'argent comme ça. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui restent chaque jour 20 000 euros entrent dans leur compte? Donc, mon 80 000 euros là, le mois là, c'est petit. Hein?
Ton problème, c'est que tu es toujours à côté des gens pauvres. Dieu te dit, quitte de la maison là. Quitte du quartier là. Il y a des gens qui ont l'onction de pauvreté qui ne veulent pas avancer. Te voilà à 5 heures, tu es en train d'écouter les vidéos. Tu es en train de travailler sur toi. Je suis arrivé au moment de ma vie. J'ai arrêté de côtoyer les gens. Même mes propres enfants. Ils ont leur appartement, j'ai le mien. Et je leur dis, si vous ne voulez pas progresser pour avancer pour votre propre vie, vous viendrez me visiter. Je vais vous envoyer un de mes jets pour chercher. Dans votre côté, là-bas, là, vous serez. Oui. Je n'ai pas vu dans ma maison et rester pauvre. Je ne suis pas dedans. Je suis allergique à la pauvreté. Quand quelqu'un est allergique à quelque chose, il consomme la chose. Qu'est-ce qui se passe? Son corps gonfle, non? Il fait une réaction allergique. Donc, il rejette la chose. Vous tolérez les spermes de pauvres depuis. M'a demandé de faire le direct, non. Ne tapotez pas mon direct. Je vais aller sur TikTok. TikTok m'intéresse, moi. Vous me faites chier souvent sur Facebook. Vous voulez m'écouter? Écoutez seulement. Ne tapotez pas, ne commentez pas. Ne likez pas, ne partagez pas. Tu es dans le sperme de pauvreté tous les jours. Dès que tu veux un peu sortir comme ça, là, il vient, il appuie encore ça. Il appuie encore. Il a pu. Je suis en train de lire les prières de la dame si que, qui a fait le témoignage. Quand elle apporte, elle dit, moi, telle personne, j'apporte à la maison du trésor ma dîme, afin qu'il y ait de la nourriture dans la maison de l'Éternel. Par cette dîme, je demande. Oh, voilà déjà la personne que j'aime. Oh! Oh là 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 là! Tu paies la dîme de 2000, tu es là, tu dis. Ne te discipline pas. Quitte-moi sur ma page. Mais souffrir. Écoute bien, voilà la dîme de quelqu'un. Voilà ça. Je vous lis ça encore. Continuons. Je demande la démultiplication des finances dans mon couple. 20 000 euros minimum par mois. Oh my God! Girl, I like you. Que l'Éternel m'accorde la grâce. Elle dit donc qu'elle veut des enfants. La restauration des rapports dans son foyer. Elle demande à l'Éternel la sagesse et l'intelligence pour pouvoir briller dans son travail en tant que elle est architecte et qu'elle a une renommée dans le secteur, dans son secteur, dans le monde entier. Oh my God, tu me plais, ma fille. Oh, voilà le genre d'enfant qu'elle veut. Je vais commencer à. Je vais enlever mon nom de votre acte de naissance. Je suis plus votre mère. On te dit, discipline-toi. Nian, tu fuis. Continuons. Que l'Éternel comble mon mari de sagesse afin que les portes s'ouvrent, les opportunités. Nanana. Que sa négociation salariale puisse se concrétiser avec un salaire minimum 100 000 euros l'année. Avec une voiture de fonction et autres avantages. Demande la prospérité. Ok. Elle a écrit ça le, elle a payé sa dîme le 29 juin. Et ce même 29 juin, voici ce qu'elle écrit donc comme témoignage. J'ai lu la première partie déjà. Elle dit, mon mari aussi qui avait passé un entretien d'embauche pour le boulot. Mais comme il ne parlait pas bien l'anglais, il était convaincu qu'il devait avoir le boulot de 80 000 euros l'année. Voilà. Dans mon jeûne, j'ai demandé au Seigneur un contrat de 100 000 euros pour mon mari. Aujourd'hui, mon mari a été contacté par cette entreprise qui lui propose 95 000 euros l'année. Avec possibilité de négocier. Lundi, il va aller négocier et je lui ai dit de demander 100 000 euros. Ils vont lui donner. Vous dormez au premier banc. Voilà. Je crois que j'ai même compris pourquoi il ne fait plus trop les directs. Vous venez ici là, vous ouvrez vos bouches. Vous me regardez. Vous ne likez pas mes vidéos, vous ne me partagez pas. Vous-même là, vous ne payez pas vos dîmes. Vous ne faites pas votre lavage au sel. Vous ne faites rien. Vous faites que sur ma page. Vous voulez qu'elle fasse le direct? Non. Voilà, elle est bien bavardée dans vos oreilles. Paresseux que vous êtes. Bonjour, j'ai l'énergie pour consulter ce matin, oui.
À partir de 6h30, je vais commencer à consulter. 6h30 d'ici là, c'est là-bas chez vous, c'est 7h30. Donc tu payes, je te consulte immédiatement. Bye. Tu te laves au sel, tu restes dans la maison avec l'homme là qui est en train de t'amener en bas, ma chérie. Fais le lavage au sel, même 10 ans, tu vas rester tout là-bas. Et vu que, mais attends un peu, je pense qu'on t'a donné mon énergie à ces gens-là. Non, je sais qu'elle va regarder son direct demain matin. Facebook ne me donne pas l'argent pour les vues, hein. 2 semaines que j'ai fait, j'ai pas fait tout le direct là. Si vous savez combien de projets j'ai commencé à mettre sur pied. Bougez-vous. Disciplinez-vous. Lancez votre projet. Élargissez votre vision. Je suis allée hier pour voir un projet là, pour un projet, en tout cas pour voir un endroit où je devais bosser. La personne avec laquelle je voulais m'associer pour faire le truc, sa vision est comme ça. J'arrive dans un endroit où on me propose quelque chose qui vaut 4 fois plus que ce que la personne disait qu'on fasse. L'esprit me dit, c'est ici. C'est ici. La personne dit non, non, c'est beaucoup. Non, 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 non. Dieu me dit que tu pars où avec les gens? La Grande Royale écrit sur le numéro 693. Juste après ce direct, c'est là, je vais consulter. Depuis 2 semaines, je n'ai pas consulté. Donc ceux qui sont fâchés là, ils sont partis. Partez-vous, on va vous rembourser. Depuis 2 semaines. Et vous m'avez vu, j'étais en déplacement. Quand je me déplace, généralement, ça, dans la vie, ça prend trop d'énergie. Donc, généralement, quand j'arrive, ça fait 4 jours que je suis à Abidjan. Que c'est là. Détaché. Il y a même les clients qui. Aïe. Ah, yeah. Parce que Dieu connaît que si je parle avec toi, tes 100 euros que tu m'as donné là, ça va me vider même de 15 000 euros. J'ai pas 15 000 euros à perdre pour parler avec toi. Donc c'est un privilège pour vous de parler avec moi. Il vous dit. Et vous souvent, hey, madame, remboursez-moi. Hey, avec plaisir. Ah, la main sur le cœur. Vous pensez que quoi? Jesus is Lord. Non, mamie, pardon. Je ne consulte pas à 50 euros. Tu as compris, ma chérie. Pour bêta, tu achètes plutôt un kit. On ne suit pas 50 euros. Mon énergie ne vaut pas 50 euros. Faut laisser. Laissez-moi ça. Oui, dès que j'ai fini le truc, tu m'appelles, tu m'écris, je vais te consulter. Voyez grand. En fait, tu as déjà fait tellement de travail spirituel que si on regarde tes nuages spirituels, ma chérie, tu as au moins 60 millions de francs effacés que tu es censé gagner cette année. Donc d'ici décembre. Maximum décembre. Tu es caché dans ta chambre comme ça là. Il n'y a pas l'argent. Il fait comment? Rien, Jocelyne. Ne m'écrivez même pas inbox. Les libations, qu'est-ce que tu ne connais pas faire? Prends un local. Quand tu arrives dans une ville, tu sais comment avoir la faveur de cette ville. Tu arrives dans un. Tu prends un local, une maison. Tu sais comment faire pour que cette maison-là te donne la bénédiction. Ah, pardon, quitter. Il est temps de renouveler mes followers. Hein. Il y a une de mes filles là. Elle me dit que. On parle, elle me dit. Je veux. Je ne sais pas pourquoi, depuis que je suis petite, j'ai tout su que je dois faire le sacrifice de bœuf.
Après, il dit le montant. Elle dit, ah, c'est 3 fois le montant du bouc. Il dit oui. Elle dit, je ne peux pas. J'ai dit, ma chérie. Ouais, Seigneur, pourquoi vous vous bloquez? Pourquoi? Tu sais que tu es censé faire quelque chose. Ta vision, ta bouche te bloque. Supposons, tu as besoin de 1 500 pour faire un tour de bœuf. Tu sais combien tu dépenses par mois? Je peux te décider en 2 mois, tu économises de l'argent, tu mets de côté. Tout la clé dans le business, hein? La clé ne commence jamais quelque chose que tu peux faire. Pas toujours sur ce qui est plus grand que toi. Quand il voit quelqu'un qui dort, tu n'as pas de bailleur qui va toquer à ta porte, que paye-moi le loyer. Tu n'as pas de bailleur? Oh non, je dormais, je me reposais. Je regarde la reine Jocelyne, je dors. Et tu dors, je n'aurai pas l'argent pour acheter mes kits, ma chérie. Oui. Tant que le projet-là ne te fait pas peur. Hey, je fais comment, je fais comment, attends. Oh là là. Si le mois passé, tu étais dans 5 000 euros. Le mois-ci, lance les projets de 9 000 euros. Tu me suis? Dans la nuit, tu ne vas pas dormir, ton esprit sera comme ça. C'est comme ça qu'on élève. Tu es en train de vivre dans un endroit où tu paies 400 euros, 500 euros, non. Tu as vu l'endroit de 1 000 euros que tu vas acheter, tu vas louer, non. Je vous donne mes secrets comme ça, là, ça m'énerve. Vous allez vous faire comme les... Oh, Seigneur. Engage-toi. Je n'ai pas les papiers. C'est pour ça que je n'ai pas d'argent. J'ai une de mes petites. Elle est arrivée en Angleterre. Elle est arrivée en 2016, comme ça, ou 17. 2 ans plus tard, je parle avec la petite. 2019. J'ai lancé les tours de coaching, c'est là. Elle me contacte en inbox. Tata, elle avait 26 ans à l'époque. Tata, oui. Voilà, depuis que je suis arrivée en Angleterre, tu vois, mes papiers sont finis. J'ai un argent que j'ai économisé là, je voulais acheter une maison de repos. Je ne sais pas. Oui, on est deux sur le projet. J'ai dit, mamie, tu as combien que tu as économisé? Oui, j'ai 25 000 pounds. Hey! J'ai vu la fille là différemment. 26 ans, elle a 25 000 pounds qu'elle a mis dans le compte. Je demande que mamie, pardon, explique-moi, tu as fait comment? Dormez, vous dormez, vous dormez, vous dormez. Oh, Seigneur. Quand tu es pauvre, ça diminue ta vision. Pauvreté n'est pas bien. Poverty is not good. Il vous dit, moi, la fille m'explique que... Elle m'explique que quand elle est partie, au pays même d'abord, elle avait déjà 2 taxis. Donc, elle savait que chaque jour, elle avait au moins 15 à 20 000 des 2 taxis. Elle avait 23, 24 ans au pays. Quand elle arrivait en Europe, tout boulot qu'elle attrapait, elle faisait seulement, mets dedans. Tu t'amuses, mets dedans. Comment on dit sur TikTok là? Vous aimez faire les vidéos seulement pour les faux trucs. Dès qu'elle avait l'argent, poup, et compte d'épargne. Un peu d'argent, poup, compte d'épargne. Elle avait 3 boulots. Elle faisait dans 5 réunions. 2 ans en Angleterre. 26 ans. Elle a 25 000 pounds qu'elle a mis de côté. Soit c'est 20 000, soit c'est 25 000. Je ne me rappelle plus de la somme. Soit c'est 20, soit c'est 25 000. Peut-être 20 000. Mais elle sait que ce n'était pas moins de 20 000 pounds. Il y a les projets que tu ne peux pas considérer quand tu es pauvre. Donc même en marchant en route, tu passes, tu sais que bon, en tout et pour tout, j'ai sur moi
Tous mes comptes là, j'ai 400 000. Est-ce que tu vas marcher, tu vas voir une maison qu'on vend à 300 millions, tu vas regarder? Tu peux pas. Par contre, si tu pars dans un endroit, c'est que dans mon compte, j'ai 50 millions. Avec 50 millions là, je peux voir la banque. La banque me donne même encore. Ajoute sur mes 50 millions là, non. Je fais 5, un apport de 10 millions, la banque me donne même 100 millions. Voilà. Donc tu sais que là où tu es là, tu tournes dans les 120 millions. Bien sûr que tu peux marcher, tu vois un business que quelqu'un te vend à 50 millions, 100 millions, 150 millions, tu regardes. Est-ce que vous savez que les business qui produisent, tu investis 1 million, tu ne peux pas avoir le bénéfice quotidien de 3 millions. Mais quelqu'un qui a investi 200 millions peut espérer avoir 100, 3 millions par jour. Quelqu'un qui a investi 700 millions peut espérer avoir par jour. Il y a un monsieur qui me parlait d'un business comme ça au port. Il dit qu'il loue. Ils ont des espaces que tu construis ça à 790 millions. Tu loues ça chaque jour à 3 millions 200. Donc comme 24, tu es passé là, parce que tu as dormi, tu t'es réveillé, non. Quelqu'un a pointé 3 millions. Tu rembourses à la banque 1 million 5. Donc, si par mois, tu te fais 320 millions, tu rembourses 150 millions à la banque, tu gagnes 150 millions. Parce que tu allais investir 790 millions. Et dormi. Pardon, quitter. Il ne veut plus, pardon. Comme ça que vous n'aimez pas payer pour le conseil. Vous n'aimez pas. On dit, paye la consultation. Oui, mais ma chérie, reste avec tes blocages. Ne te dérange pas. Reste avec tes blocages. C'est toi qui vas te débloquer, non? Et ça, c'est moi. No, Bimi. Nayou. Vous pensez que Dieu va me punir parce que vous n'avez pas consulté moins cher? Jamais. Dieu ne me punirait pas et ne me punira pas. Il ne me punira je pas. Voilà. Sortez des endroits où vous êtes toujours en train de chercher qu'on vous bénisse. J'apporte à la maison du trésor ma dîme de 550 francs. Seigneur, je reçois 5 milliards de francs. Pardon, je crois que je suis même devenu ironique. J'ai beaucoup dit, I'm ironic, you know. Parfois, vous vous moquez de Dieu. Hein. Va investir 50 000. Tu demandes que le business te produise 3 millions par jour. On va voir. Arrêtez de dormir spirituellement. Je dis encore, je suis en train de changer de clientèle. Si vous m'écoutez, vous êtes une personne que vous aimez dormir, ralentir, traîner sur les choses. Mon discours ne va plus vous plaire. Hein. Ça ne va plus vous plaire. Vous quittez. Désabonnez-vous, ne vous dérangez pas. J'ai revu une femme que j'entretenais l'année passée. M'occupais d'elle l'année passée. Et c'est une femme qui est très. Elle est vagabonda. Elle fait le vagabondage spirituel. Quand elle vient, tu ne lui donnes pas ce qu'elle veut, ou bien tu lui dis pas ce qu'elle veut entendre. Tu vas entendre, et dans sa façon de parler, tu la sondes, tu peux savoir. Oui. Carrela, prends ton kit fondation d'abord. Ne fais pas la compte. Prends d'abord le kit fondation. Parce que le kit là va d'abord élever ta vibration. J'ai fait mes produits de telle façon que vous n'avez pas besoin de me parler pour acheter mes produits. C'est ça, non. Tu donnes 1 000 francs, tu veux 1 million. Tu veux qu'on enlève dans l'argent de qui peut te donner. Et c'est vrai. Qui va prendre pour te donner? Je voudrais tout dire que Dieu, c'est un businessman. Voyez Dieu comme un homme d'affaires. Parfois, vous voyez, je ris.
Vous croyez que vous venez vous tromper qui, moi? La dame arrive. Je vois comment elle parle là. Je sens que la femme, si là, elle a été au moins encore chez deux, trois autres personnes. Et quand c'est comme ça, je suis toujours rapide pour dire que pardon, laisse-moi tranquille parce que. Va dans la conversation que tu as faite avec ce numéro de la Côte d'Ivoire. Tu cliques sur WhatsApp, tu enregistres, tu m'envoies le lien du contact. Arrête-moi la tâche difficile, arrête ça. Dis que beaucoup d'entre vous. Vous venez ici, vous partez là-bas, vous partez là-bas. Et c'est une femme qui fait le Congo, ça. Elle se plaint de son mari, elle se plaint de sa soeur, elle se plaint de sa fille, elle se plaint de sa. Ah! On ne me corrompt pas avec les cadeaux. Hein. Bah, tout ce que tu me donnes, là, moi, elle peut m'acheter ça aussi. Mais j'ai mes objectifs. C'est pas le temps pour moi d'aller mettre mon âme dans les Louis Vuitton. Je suis en train de faire accoucher mes petits-enfants. Bientôt, j'aurai des arrière-petits-fils. Mes arrière-petits-fils, là, je vais aller maintenant les former encore. Ils vont accoucher. C'est quoi? Parce que tu viens, tu m'apportes des cadeaux. Non. On ne me manipule pas. Je te dis des choses, oh, ça ne te plaît pas, tu pars. Mon langage ne te plaît pas, tu pars. Je vous dis toujours, ne restez pas là où vous êtes mal à l'aise. Je pars dans un hôtel, ça ne va pas, je vous laisse avec là. Même s'il y a payé, je vous laisse avec, je pars. Mon énergie vitale, mon énergie, c'est mon argent. Oh. Mon énergie, c'est mon argent. Vous parlez de quoi? L'autre jour, on partait regarder un local. Donc, on a eu besoin de prendre l'argent immobilier dans le véhicule pour qu'il nous amène là où on partait. Jesus is Lord. Il s'assoit derrière moi. Quand il parlait, déjà physiquement, quand je le voyais là, je sens qu'il était même sous l'emprise de quatre esprits négatifs. Quand il parlait, la vibration qui sortait de sa bouche, Jesus is Lord. C'est critique. Dès qu'on a vu le local, il dit qu'il va encore rentrer avec nous pour. Il dit, pardon. Donne l'argent, sors, sors, bye. Sors, sors, sors. Sors, on ne parle pas avec toi. Tu ne me mets pas mal à l'aise. I don't take shit, man. Parfois, ce qui fait que tu restes là où on te fait du mal, c'est que ouais, le bailleur va rester à ma caution. Suppose que le loyer là, tu avais payé. Ok, supposons peut-être que tu payais 50 000 au mois, non? Et tu as 2 mois de caution là-bas. C'est-à-dire que tu as tes 100 000 au bailleur. Suppose que tu avais pris le loyer là-bas à 70 000 au mois. Parce que quand tu vas vouloir sortir et que tu vas courir derrière le prix, tu donnes ton argent. Hein? Tu vas lire. Tu vas lire. Non, on a vu les gratinures ici là. La fourmi a pissé sur le lit, sur le mur, pardon. Le moustique est venu mettre ça, faire bisous sur le mur. Il y a les traces des lèvres du moustique ici. Que wow. Les travaux ici là, ça va faire 30 000. Oui, ici, là, ça va faire. Hey, pardon. Les 100 000 que tu discutais avec lui, là, tu sais que tu peux t'asseoir en 1 heure, tu réfléchis sur ces 100 000, là. Ma chérie, tu dois prendre un kit fondation.
Tu as l'impression de suivre la destinée de ta mère. Ta vie ne donne pas. C'est comme si une personne qui dirige ta vie. Oui. Tu as un mari de nuit, bien sûr. Tu as un serpent dans le ventre qui te bloque. Pas un kit fondation, tu commences avec ça. Me contacter, on n'est pas l'argent. Je ne soigne pas les gens gratuitement. Elle vient m'envoyer le message. Je soigne pas les gens gratuitement. À une époque de ma vie, j'ai fait le gratuit, je fais plus. Grosses sommes d'argent sont en train de venir vers toi. Je vous dis toujours que je me rappelle le jour où mon compte Orange, mon IA a eu 1 million. Pour moi, c'était comme. J'avais voyais de 200, 300 000, 100 000, 200 000, 300 000. Un matin, je me lève. Je vois mon compte. Et c'est fou parce que la période où c'est arrivé sur mon compte Orange, c'est arrivé sur le compte MTN. En l'espace de 3 jours. Tous mes comptes ont passé le million, pap. Et le genre de blocage que j'avais avant, je ne pouvais pas accumuler l'argent. Ah! Parfois, quand je vous parle de cela, vous croyez que je suis genre, non, toi, tu connais, on m'a bloqué. Même le blocage, je me voyais, il disait que, ouais, Asia, Jocelyne. Le blocage, je me voyais, il disait que, Asia, on t'a fait ça dur. Maman, tu sais que les enfants n'aiment pas souvent faire des choses, non. Donc, ça c'est une bonne idée. Je crois que je vais faire les kits enfants. On va faire ça, on va lancer ça aujourd'hui. D'ici ce soir, je vais faire les kits fondation enfants. Je lance déjà ça à mes gens. Quand ils vont se lever, ils vont faire. Vous savez que j'ai une équipe. Tous les Decepticons qui travaillent chez moi là, qui sont partis. J'ai une équipe d'olé. Faut que leur donne un pourboire aujourd'hui. Seigneur. C'est comme si ce sont mes âmes sœurs. C'est comme si on se connaissait dans une autre vie. J'aime parler à mes employés jusqu'à. Hey! Au bout du tunnel des recherches incessantes, tu vas trouver des gens qui vont être avec toi. Tu vas trouver des gens qui vont t'aimer. Tu vas trouver un homme qui va être avec toi. On va te. Maman! T'as apporté le petit déjeuner au lit, mamie? Hey! Oh! Hey, si tu connais ce qui t'attend, hein? Oh non! Regarde comment ça me plaît. Oh, j'ai envie de parler du chocolat. Ouais, mamie. Le chocolat te guette. Un chocolat mature. Beau. J'espère que le roi Hervé n'est pas là. Hein. Le roi Hervé aime tout ça. Quand il va entrer, il va commencer à bavarder. Les femmes vont le chasser. Un chocolat mature. Pas les petits chocolats gnangnang là. Dis bébé. Bébé, repose-toi, je m'occupe de tout. Là, recevez vos chocolats. Un chocolat qui sent bon. Mamie, tu n'as plus besoin d'arranger le chocolat. Le chocolat là sent bon de nature. Mets ta tête sur ta poitrine comme ça là, ça déjà. J'ai toutes les phases. Je suis dans ma deuxième phase maintenant. J'étais dans ma phase de gronder. Je suis quitté sur l'autre là. Oui, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, bébé? Ok. Il passe deux appels. Un chocolat qui gère ses affaires, il gère aussi pour toi. Hein? Pas le genre de chocolat que tu seras là. Va faire comme ça là. Tu conseilles l'homme fatigué, il ne veut pas faire. Hein? Donne-moi l'argent pour faire le business. Si. Il me faut telle somme pour faire tel commerce. Pardon. C'est toi qui dois me donner l'argent pour qu'elle lance aussi le commerce, non?
Oh, reçois ton chocolat mature, comme le vin qu'on a bien tamisé. Et quand il te regarde, quand il sourit un peu comme ça là, tu le regardes, ton cœur fond. Ah! Ah! Oh, Jocelyne, toi là, hein? Je suis pas seule dans ma tête. Je suis pas seule dans ma tête. Ah! Le chocolat qui aime les mêmes musiques que toi. Hey, maman! Je me rappelle un chocolat là que j'avais rencontré. Tu vois, j'aime souvent me rappeler des périodes où je suis tombée. Quand il tombait amoureuse des chocolats, tu vois, non? Maman, je le rencontre d'abord comme ça, l'habillement de ça. Comme j'aime. Vois, un peu un style. Faut pas qu'elle dise que vous avez voulu venir me draguer en inbox. Tu vois un style british là, non? Mon chocolat doit forcément parler français et anglais. Chaque fois que je me mets avec le chocolat francophone, là, ça ne donne pas vraiment parce que. Vous voyez, moi, je peux dégamer. I just start speaking English, you know. And then I'm like, oh, babe, you know, let's just do this. Je ne veux pas les chocolats que. We go talk, c'est. Na faut piscine. Mamie, tu dois connaître ce que tu aimes. Tu dois savoir identifier ce que tu aimes. Je sais pas pourquoi me mater parler. Pourquoi on me fait parler des choses comme ça? Oh, les gens vont commencer à me comprendre, me connaître. Hey, mes chéris, je vais organiser les date night. Préparez-vous. J'ai beaucoup de projets. Oh. Je vais organiser les date night. Que toute femme que tu vois à la soirée là, hein, elle n'a pas de chocolat. Oui. Après ça, le chocolat met la musique. Dans sa playlist, tout ce qu'il y a dans la playlist du chocolat, ce sont les chansons que j'aime. Hey! Après, on parle. C'était dans un pays francophone. On parle français, on parle français. Après, je voyais ses scams en anglais. Avec un accent british là. Je suis. Ouh! Ouh! Oh non, attendez, il rit seul. Oh, oh my god! Je suis à l'hôtel. On m'a dit qu'il rit seul dans sa chambre ici. You just got cute, man. Oh non. Ma vie me plaît trop. Ma vie me plaît trop. You just got cute, man. Oh my gosh. Seigneur, bon, ressaisis-toi, Jocelyne. Ressaisis-toi, Jocelyne, ok? Get a grip. Arrête, Daline, bonjour. Ah. Vous savez, parfois, de temps en temps, parfois, j'aime tomber amoureuse. Ça me plaît, tu vois. Juste un peu là, tu vois, un peu, non? On te drague encore, tu regardes, c'est intéressant. C'est intéressant. Ouais. C'est intéressant. Et puis, qui a dit même que quand on te drague, vous sortez ensemble, vous devez rester ensemble pour 50 ans? Continuons. Je vais créer un monde parfait, comme je veux, comme j'aime. Ce sera mon monde. Celui qui ne veut pas, il sort, il part ailleurs, je crée sa part. Oui. Vous
Vous êtes là, vous faites votre vie en fonction de ce que les gens disent. Non, mais il est censé être comme ça. Vous êtes censé être comme ça là? Non. Je vais être à l'aise. Je vais être à l'aise. I want to feel good. Il veut qu'on me drague. Continuons. Il parlait de blocage, non? Avant de parler de chocolat. On avait prévu l'agence d'escorte, on a prévu le date night. On va aussi faire les trucs pour le mariage là. Conseil marital. Hier, je parlais avec quelqu'un, je me suis rendu compte que quand un homme et une femme se mettent ensemble, c'est là qu'ils doivent travailler sur leur vision. Je vais essayer de faire une plateforme où hommes et femmes pourront venir ensemble pour mettre leur vision ensemble. Parce que parfois, vous avez des problèmes parce que vous n'arrivez pas à bien communiquer. Tu as des trucs que tu as vus, tu sais comment ça fonctionne. Tu as lu certains livres. Lui, il est de son côté, il n'a rien lu, il n'a rien vu. Tu le rencontres, il est beau, il a la vision. Mais il ne voit pas ce que toi, tu vois. Et parfois, tu n'arrives pas, pas à communiquer pour que tu lui montres ce que tu vois. Ou bien pour qu'elle te montre ce que. Ou bien toi, tu montres à elle, ou bien elle te montre. Et c'est ça qui fait les problèmes et vous vous séparez. Donc, là, c'est les projets. Même si c'est dans 2025, on le fera. Oui, Flore. Mais le but, c'est de se sentir bien. C'est là que l'argent vient jusqu'à. Et vous avez dit au début que vous allez. L'impact des mauvais environnements sur nous. Elle est un peu folle. La folie, c'est un don chez nous. C'est un don. You gotta be crazy a little bit, you know. Vous devez avoir la capacité de rebondir de n'importe quoi. Je dis bien de n'importe quoi. N'importe quoi et n'importe qui. Mais le mois passé, tu avais été. Mais ça, n'est-ce pas, ça fait 2 mois que tu avais. Je suis resté l'autre jour, j'ai resté, on s'est dit, waouh. Là, il voit, ça fait 3 mois, je n'arrivais même pas à marcher. C'est que je marchais avec assistance. J'avais besoin d'assistance pour marcher. Il a regardé. Come and see what the Lord has done for me. Hey! He has taken away my sorrows, now I am free. Hey! Alléluia, alléluia, hey! Alléluia, because of Jesus, every day na shakalale. Hey, double, double, heaven bless you, na Ah, l'un des inconvénients quand tu es comme moi là, hein, tu es célèbre, c'est que tous tes déceptifs qu'on savait où te trouver. Si à n'importe quel de mes ex qui a prié pour que j'échoue n'importe comment, il connaît là où il peut me trouver. Il sait que je me pointe ici là quand il fait le direct, je peux voir comment il va. Et le truc, c'est que quand tu tombes, tu te relèves. La vision est toujours plus grande qu'avant la chute. Quand tu te relèves, la vision que tu as après est plus grande que ce que tu avais avant la chute. Quand tu regardes mes vidéos l'année passée, j'ai dit, mais non, je me préfère maintenant. Non. Mais la beauté, je crois que je suis devenue encore plus belle, hein, franchement. Je pense que je suis devenue encore plus belle. Mes cils ont même poussé encore. Regardez mes cils. Hein, mes cils ont poussé. Où est ça? Rascal. He's been feeding me pasta and lobster. Oh, les bonnes choses. Les bonnes choses. Les bonnes choses.
Ah non, bon, tu souffres. Moi, je suis pas né pour souffrir. I'm gonna do something bigger, better, stronger, wiser. Laisse que les gens là, laisse. Tu vas te lever encore plus forte. Les gens qui ont cherché toujours le plus ma chute. Premier obstacle, ça a été les gens avec lesquels je suis sortie. Parce que j'ai une aura là que. J'attire seulement. Et le bon cœur que j'ai, c'est là. Ça fait que. Attendez un peu. Bonjour, monsieur Abel Solo. Why they call me? Le bon cœur que j'ai, c'est là. Hein? Ça fait que. Je ne peux que. Rechercher, attirer, pardon, les bonnes personnes. Je ne peux qu'attirer les bonnes personnes. Sean, oh, on ne me rencontre pas comme ça. Il y a des gens qui me rencontrent sans avoir demandé à me voir. Il y en a qui payent, qui n'arrivent pas à me rencontrer. Tu vois, tu sautes avec un homme, son but, c'est de te prouver que tu es au-dessous de lui. Mais il oublie que quand il t'a rencontré, tu étais au 300e étage au-dessus de lui. Et le souci que j'ai eu dans mes relations précédentes, c'était que j'ai trop cru aux gens. J'ai trop cru en ce que la personne pouvait ou allait devenir. Maintenant, je crois ce que tu es. Oui. Shine, oh, même les gens qui payent pour me parler par audio n'arrivent pas à me parler. Tu dis que tu veux me voir. Tu demandes beaucoup, hein? Ce n'est pas parce que tu as fait 5 enfants avec l'homme là qui veut ton bien. Hein. N'ai pas vu le nombre de témoignages inbox. Des femmes qui me disent qu'elles ont accouché. Leur mari les a abandonnés à l'hôpital. Césarienne, il abandonne à l'hôpital sous le lit avec l'enfant. Il est à la maison. Une là, elle est sortie parce qu'elle a encore eu l'infection. Comme on a mis la sonde, on met la sonde contre ton père. La sonde là, c'est encore infectée. Je n'ai même pas envie de décrire. C'est dégueulasse. Elle a encore fait 1 mois à l'hôpital. Les pieds du bas, les pieds. On monte, on t'opère, si on ne recoupe pas, on ne fait pas bien la rééducation. Les nerfs. Elle a dû faire la rééducation 1 mois pour marcher. Parfois, vos parents là vous portent, ils vous déposent sur le pas des portes des gens qui ne sont pas bien pour vous. Et vous ne savez pas. Te voilà. J'ai fait une vidéo, j'ai mis sur TikTok l'autre jour, que ton corps le rejette. Ton corps rejette l'homme là. Shine, oh, tu bavardes beaucoup, hein. Je peux te bloquer moi. La consultation, c'est 65 000. Et il faut que tu te laves avec le sel. Si il fait 3 semaines, il ne te consulte pas, tu demandes, il te rembourse. Et ça fait 2 semaines, je n'ai pas consulté. Ça fait 2 semaines, je n'ai pas consulté quelqu'un. Je n'ai pas consulté. J'ai dit ce matin qu'il va recommencer à consulter. Donc aujourd'hui, ce matin, je vais peut-être prendre 3 à 4 personnes. Mais prends ton kit, commence par le kit fondation. Après, tu prends le kit déblocage. Après, tu prends le kit commerce. Et tu envoies ta photo pour faire un lavage à distance. Je fais les lavages. Voilà. Donc arrêtez de toujours dire que vous voulez me parler. Tu veux me parler pourquoi? Je vous connais.
Hier, j'étais en train de check-out à l'hôtel. Je faisais le check-out. Donc, j'étais à la réception. Je vais déposer la carte. J'attends mes bagages. Une dame m'appelle. Yes. Oui. Elle était aux États-Unis. Elle veut bavarder. Je dis qu'il faut prendre la consultation. Je prends. Elle voulait les produits. Voilà. Je lui dis comment elle va faire pour prendre les produits. Maintenant, elle a votre téléphone. Oui, parce que tu sais, mon mari avait. J'ai dit, madame, tu veux quoi? What do you want? Je voudrais te parler. Non, si tu veux, si tu penses que c'est parce que tu peux m'acheter des produits de 200$ ou de 400$ quand tu vas venir m'appeler pour me parler, laisse. Laisse. Mon énergie précieuse, là, ça vaut tes 200$. Même c'est 1000$. Pardon. Chérie, tu vas te remettre de cette maladie-là. Le trou dans lequel le gars là t'a laissé, tu vas sortir de là. Au Gotham, au Yua. Au Lucie. Et ce qui est bien, c'est que Dieu va t'envoyer les gens. Maman, la grâce de Dieu que je vois avec les gens qui m'aident les 30 derniers jours. Tu arrives quelque part, tu trouves quelqu'un. Il te prend, il dit non, je vais t'aider. Il part, il fait tout, il te. Eh! On peut vouloir aider quelqu'un comme ça. Pas de décès, non. Quand un décès, tu veux sortir de ta vie, hein? Ouvre la porte fort. Que sort. Parce que comme il sort, il va sortir avec tous ces mauvais esprits-là. Tu vas dormir sur le sol combien de temps? Tu peux pas dormir sur la natte un mois. Non, si pas, je vais faire comment? Si elle déménage, je vais. Mamie, c'est ton cercueil qui va sortir de la maison là. Tu vas sortir seulement avec les pieds devant. Hey, Ma santé avant tout. My health. My health. Reçois. Je déclare que tu vas recevoir tes aides de destinée. L'argent pour lancer tes business. Le local là où tu désires. Au nom de Jésus. Maman, j'ai une branche de mon business que je voulais lancer récemment. Il y a un de ces petits connards qui faisait comme s'il connaît trop. Quelqu'un me te conseiller, il n'y a pas l'argent. Au carré cap. Au carré cap. Tu es là, tu crois que je vais me conseiller? On vous écoute, vous croyez que le respect, ça veut dire qu'on ne. Tous les carreaux que tu m'envoies, c'est pour le sol de dehors, c'est pour l'extérieur. Dis non, les filles avec lesquelles tu veux travailler là, elles vont t'escroquer. Elles vont t'escroquer. Pour finir, c'est la même personne qui m'escroquait. Lui-même m'a escroqué. Quelqu'un qui voit toujours les problèmes partout. Non. Faites le choix si vous trouverez ce qui vous plaira. Et là, je vais discuter le prix avec les ayants. Demande au carreleur si les deux là sont pleins. Je veux les carreaux qui sont pleins, s'il te plaît. Et beaucoup de personnes sont jalouses autour de vous. Je ne parle pas des rêves, Julie, donc il faut partir, pardon.
La reine de colère, tu dis bien que complètement protecteur, parce que cette personne-là, en fait, veut contrôler ce que c'est. C'est les contrôleurs. Voilà. Contrôleur. L'autre a bien chanté ça. You be my controller. Oh. Et tout ça émane de la jalousie. Et je dis toujours à la personne que toute personne est. J'ai eu beaucoup de sceptiques à côté de moi. Je leur dis toujours que c'est ce qui me guide à l'intérieur de moi qui m'a amené là où je suis. C'est ça qui va m'amener là où je pars. Tu vois, quand on s'est rencontré, il t'a dit que je suis le cas qui part. Que là où tu vois là, je vais partir, je vais arriver. Agoricham. Tu dois avoir une certaine assurance. Ben, ces personnes-là vont venir et faire comme si ce sont elles qui te donnent la vie. Voilà, voici une image qu'on me demande de vous donner. Quand les personnes te rencontrent, sur le train spirituel, non. Supposons qu'ils te rencontrent que tu étais censé être. Ok, il fait 10 ans avec toi. Et en 10 ans, tu étais censé quitter de. Mensuellement, hein, tu étais censé quitter de 1000 euros à 15 000 euros par mois. En 10 ans. Et il te bloque. 8e année, tu es toujours à 2000 euros. 9e année, tu as 2200 euros. La 10e année, quand tu vas le quitter, et tu vas agir sur ce qu'on te montre, en un an, tu vas récolter ce que tu aurais dû avoir depuis 10 ans. Reçois la restauration. Parce que dans le spirituel, il y a ce qu'on appelle le rappel. Vous savez pourquoi les gens comme la CAF te font tout le temps le rappel? J'ai remarqué que les organismes financiers, physique. Beaucoup de choses dans le physique ont été établies avec le spirituel. Beaucoup de choses physiques ont été établies avec le spirituel, sans qu'on ne sache. J'explique. Tu vois peut-être la CAF. Bon, madame, oui, ça fait 8 mois, depuis, non, ça fait 15 ans qu'on est censé vous payer telle somme de 200 euros le mois. Ils vont faire 200 euros fois 12 mois, fois 15 ans. Et l'État va porter l'argent, la cash, ils vont te virer. C'est ce qui est en train de se passer dans ta vie. Tous les hommes qui t'ont bloqué là, les tentes là, les gens qui avaient fait les incantations pour que tu n'avances pas, les gens qui avaient mis tes pieds dans la boue là pour que tu n'avances pas. Dans cette saison-ci, tu vas rester au ça, tu vas voir, oh là là, je sens qu'il y aura quelqu'un que tu vas avoir une entrée financière. Tu vas peut-être te mettre sur un business ou quelque chose comme ça là. Ça va faire que ton argent va être multiplié par 10. Donc, en 2 mois, tu vas avoir l'argent monter comme ça là. Whoop. Tu vas dire, yay, tu auras même peur. N'aie pas peur. Et ça va venir sous forme d'une idée. Quand l'idée là va entrer dans ton cœur, ça va te plaire jusqu'à. Like, you know, you're gonna be excited. Like, pourquoi ça me plaît trop comme ça là? Et généralement, c'est le matin des matins comme ça là, que tu sens ça. L'autre jour, j'arrive. Je rencontre une dame, elle me raconte son histoire. Elle me dit que l'esprit lui disait qu'elle devait lancer un business dans une certaine ville. Donc, elle a été tardée. Et son mari, à l'époque, avant qu'elle divorce, son mari ne voulait même pas. Son mari disait, oh, vraiment, elle avait rencontré un vieux monsieur qui voulait l'aider. Un père de 60 ans. Et le papa l'a perdu sa fille qui, si sa fille était encore en vie, sa fille devait avoir le même âge que la femme qui me parlait. Donc, le papa là a commencé à l'aider pour rien. Nous, il était très gentil avec elle. Et quand il l'aidait, elle se demandait toujours que, ah, il veut me draguer ou pas. Oh, c'était bizarre. Mais après, elle s'est rendue compte que le monsieur là l'aidait parce que, donc, c'était dans son cœur. Et aussi en mémoire de sa fille. Donc, là, voilà qui arrive dans la ville là. Ma chérie, c'est exactement ça. Donc, on va s'asseoir, on va faire une sélection. Tout ce que tu m'envoies là, c'est exactement ce que je veux. Donc, elle arrive, l'esprit lui dit appelle, elle appelle le monsieur. Et elle devait commander le matériel en France pour ouvrir un de ses salons de massage. Le matériel qu'elle devait commander, un des appareils coûte 500 euros, prix de gros. Elle prévoyait prendre peut-être 4. Donc, elle devait dépenser au moins 2000 euros. En Afrique, ce matériel-là coûte 450 000 pour un. Parce qu'il met les dédouanements, gna gna gna. Donc,
Elle arrive dans la ville là, elle appelle le monsieur. Elle dit que je suis là. Reprenons notre projet de l'année passée là parce que voilà. Ah! Le monsieur lui donne rendez-vous, il s'assied, il cause. Le lendemain, il était disponible, il se voit, il cause. Après, ils arrivent sur. Ils savaient que le monsieur avait acheté l'appareil là depuis 2 ans. Il avait déposé ça chez lui. Il a utilisé pendant un moment après. Il lui a donné 8. Vous ne pouvez pas comprendre. Quand la femme a témoigné, elle est restée comme ça. Elle dit que maman, quand tu es entouré de mauvaises personnes, quelle est la probabilité pour que tu es en train de lancer un de tes salons? Tu as besoin de matériel et tu sais que, premièrement, on va d'abord te faire attendre même 2 mois pour que le matériel arrive. Deuxièmement, tu prévois d'avoir tes moyens d'acheter 4. Dieu te connecte avec quelqu'un qui, par hasard, voulait se débarrasser de 8. Donc, faisons 8 fois 450 000, ça fait combien? Comptons. Attendez. Ça fait qu'elle a reçu 3 600 000 francs. 3 600 000 francs CFA. Et en donnant, il avait le sourire aux lèvres. Non, c'est avec plaisir. Ça va payer d'obéir en ce que tu reçois en toi. Et elle me dit que quand elle voulait ouvrir ça, elle hésitait un peu vraiment. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Qu'elle a reçu ça, elle dit que non, Dieu lui a confirmé que ma chérie, ce que tu as en train de vouloir faire là, ma main est sur ça, que je suis dedans. Je vous dis souvent, quittez à côté des Decepticons. Quittez à côté des Decepticons. Quittez à côté des Decepticons. Gens qui ont pour mission de vous détruire. Les gens qui ont pour mission de vous détruire. Je vous ai parlé de la femme, c'est là, non. L'autre jour, elle m'a appelé, elle me dit que, oh, maman, je suis à l'hôpital hospitalisé. Quand elle sort de l'hôpital, on s'en là, je. Ma soeur vient avec moi, avec sa voiture. Je prends mes choses et mets dans la voiture et pas seulement chez moi. Un jour, quand son mari s'engueulait avec sa belle-soeur, la belle-soeur dit à son mari que, n'est-ce pas, tu as envoûté ta femme, qu'elle ne sera jamais rien. Que ta femme ne sera jamais rien tant que tu seras vivant. Le mari rétorque à sa soeur, à lui-même, qui est la belle-soeur de la dame. Que n'est-ce pas, tu allais avec les ossements humains pour faire des incantations sur ma soeur, pour ma femme, sur ma femme, pour qu'elle te donne tout son argent. Donc là où elle était, elle est dans une famille qu'on a travaillé sur elle. L'a mangée. Vous amusez. Vous amusez. Tu restes à la maison avec quelqu'un. L'eau finie. L'eau. L'eau de 1 500. La personne n'achète pas l'eau. Parce que c'est que s'il ne fait pas, tu vas faire. Tu es toujours là. Au pas si. Au pas si. Et qui est pour? Hop. Il t'a attaché là-bas. Et il y en a parmi vous, votre aura qu'on est attiré. Tu sors comme ça. Oui, j'ai rencontré l'ambassadeur de. J'ai rencontré le ministre de. Oh, j'ai rencontré. Dès que tu lui dis. C'est qui comme ça? C'est quel projet qu'il veut faire avec toi? Non, ma femme ne. Je ne veux pas qu'on dise que ma femme vend les. Non, ma femme ne va pas être dans ça. Tu refuses que je fasse ça. Quel est le plan que tu as pour moi? Quel est le projet que tu as pour moi, monsieur mon mari? Prends un kit fondation, tu fais. Ne cherchez pas seulement à me rencontrer, pardon. Prends un kit fondation, il y a ça sur Abidjan, c'est 70 000.
Au Carrefour Bluetooth, 8e tranche. Voilà. Ils sont jaloux. Souvent, ils restent avec l'autre comme ça, là. Ils voient comment les femmes m'apprécient. Ah non, tu aimes trop ça. Non. Il y a des gens que j'ai changé leur vie. Seulement mes conseils. C'est normal qu'une femme reste comme ça, là. Ah, on m'a offert un cadeau. Non. Ne porte pas. Vous voyez le mal partout. Mes employés connaissent. Quand on apporte, je suis là. J'ouvre ça, on mange. Bien même. Et je précise que la personne qui a apporté, lui-même, il mange devant toi avant de laisser. Et vous m'aimez beaucoup. Hein. Oh, je me rappelle une de mes filles là. Oh. L'autre jour, je reste comme ça là. On vient me livrer deux grosses soles qu'on a fait frire. Avec un piment là qu'est. Maman, pardon, il faut que tu fasses ça, tu vends. Je vais faire ta publicité ici, là. Tu dois faire le poisson, là, ça te donne l'argent. Oui. J'ai mangé, là, j'ai béni la fille, là. Yay. C'était bon. Hey! Vous savez qu'il y a nourriture et nourriture. Il y a poisson et poisson. Dis que tu vois quelqu'un qui cheat, quelqu'un reste dans sa maison à 4 heures. Elle se lève, elle apprête quelque chose pour me donner à 7 heures, 8 heures. Ça, c'est la grâce de Dieu. Parfois, il vient donner comme ça, là, je la bénis, ça change sa vie. La bénédiction qui sort de moi brise les liens qu'il y a sur elle. Il y a des gens qui sont venus servir l'autre jour pour la messe, le premier. Le prêtre a dit que tu travailles avec qui, on veut les bénir. Ceux qui me servaient là, c'est le jour-là qu'ils sont venus. Hein. Et ils ont eu leur bénédiction. Une est venue me m'offrir le nkanda une fois. Merci maman. Elle vend la peau du bœuf. Elle a porté la peau du bœuf et m'a envoyé. Je sais que vous m'aimez. Moi, mais je vous aime. Et vous allez qu'avancer. Vous vous chauffez comme ça là. Comme ta mère n'est plus là pour te chauffer. Non. Moi, je vais te chauffer. Quand vous m'appelez maman là, je dois faire mon rôle derrière vous. Je dois faire mon rôle de mère derrière vous. C'est mon devoir. Tu dois avancer. L'autre jour, elle me dit, maman, j'ai déjà trouvé la maison, je pars. Que j'aurais pu mourir. Elle a eu un choc, elle a fait avoir une AVC. Elle m'appelle de l'hôpital, elle dit que maman, j'ai pas. C'est bon, c'est bon. Que c'était quoi qu'elle veut sauver le mariage pour les enfants. Elle paie les factures de lumière, il dort avec la clim. Ils font chambre séparée depuis des années. Pardon, arrêtez un peu quand même. Je lui ai dit que si tu mourais, elle ne venait pas moi à tes funérailles. Je viens faire quoi? Je viens faire quoi? Parce que c'est lui-même là qui t'a tué qui sera là-bas en train de pleurer plus que tout le monde. Je suis pas là? Je viens pas? Je viens pas, ma fille? Je viens pas? Tu viendras me parler dans mes rêves, on va se voir souvent, mais je ne viens pas à ton deuil. Voilà. Cache, hoha. Il y en a parmi vous que vous attirez. Il suffit que tu sois dans une bonne vibration. Voilà. J'ai rencontré le ministre de. J'ai rencontré quelqu'un qui connaît le ministre de. On débloque des choses. Tac, 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 tac. Mince. J'ai tellement souffert dans ma vie que je n'aime pas voir une femme souffrir. Les gens se plaignent que tu parles seulement aux femmes. Je parle aux femmes. Dans le tas, il y a les hommes qui sont. Il y a les hommes qui me suivent. Mais ça te gêne qu'ils parlent aux femmes. Je suis désolé. Oui, je vais te chauffer, la reine d'Aline. Je vais te chauffer. Il y a des choses que tu acceptes souvent parce que ta famille te fait accepter. Il y a des choses que tu acceptes parce que ta famille.
Tu as une idée dans ton cœur là qui dit que vois grand, non. Vois grand, vois comment tu as ton propre institut. Vois comment tu as ton propre ceci. Tu vois, assez dit à mon mari, hey, quittez les hommes qui ne veulent pas que vous voyez grand. Je vous dis cache. Je disais hier à mon chauffeur que je suis maintenant, je suis militante. J'encourage les femmes à quitter leur mari qui veut les bloquer. Ils disaient que, ah non, c'est pas gentil. Non. Je lui ai dit, ton opinion, je m'en fous. I don't care. Tu vois, c'est parce que tu vas dire que c'est bien que ça va changer quelque chose. On monte les gens contre toi, tu restes dans ton coin. Tu as besoin des gens pour faire quoi? Ce sont tes clients qu'elle a montés contre toi. Parce que vous êtes toujours avec des gens qui vous perdent le temps. Par solidarité, qui n'a même pas de sens. Ils vous perdent le temps. Ils te servent à quoi? Tout ce qui est censé pour toi, je le dis à mes employés, je vous utilise, vous m'utilisez. Et je leur dis tout, utilisez-moi bien, oh. Tu m'utilises bien, tu peux devenir riche, oh. Et moi, je vous utilise. Déterminé. Vos relations doivent être déterminées. Tu entretiens ta belle-mère pour qu'elle t'aime. C'est cette belle-mère-là qui va me te détester demain. C'est elle qui est en train de parler contre toi. Bonjour le roi Calvin. Toi, tu n'aimes pas toi les problèmes. Quand ils voient que tu es dans le direct comme ça, là, tu es gentil, ta femme est gentille, tes enfants sont gentils. Donc, le direct, c'est là, peut-être, c'est pas pour toi. Mais il faut que tu écoutes, parce que tu as des gens qui te détestent. Les gens n'aiment pas les gens gentils. Je suis gentil à la base, mais je suis devenu comme vous voyez là. C'est pour me protéger. Il y a des gens qui me rencontrent physiquement, ils disent, ah, donc tu es gentil comme ça. Oui. 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 Naomi, c'est bien ça. 4 mois, tu es devenue différente. C'est super. Dans 6 mois, tu ne te reconnaîtras pas. Toi-même, tu vas sortir de toi, tu vas regarder, tu vas dire que, hé, Naomi, tu vas encore revenir. Tu vas dire que, avançons, c'est demain. Oui. Bonjour, monsieur Tala. Les gens sont trop jaloux. Et je vous dis, vous avez l'aura pour attirer. Tu rentres, tu dis que ouais, j'ai une proposition de business aujourd'hui, ça va donner 2 millions. C'est qui? Je n'aime pas la tête de l'homme là. Je n'aime pas sa tête. Tous mes clients qui me voyaient toujours comme une pauvre fille là, je ne suis pas pauvre. C'est pas parce que tu me donnes l'argent. Même ton âme, il refuse. Tu as voulu donner l'offrande à quelqu'un qui dit qu'il ne prend pas ton offrande. Parce que celle que j'ai rencontrée récemment là, elle-même depuis peut-être 6 mois ne me calcule plus. Et ça me plaît même. Non, mon mari dit que vraiment, quand il a vu tel de tes employés, il savait que la personne n'en allait pas durer. Je dis, mais ton mari a trop d'opinion sur ma vie. Ton mari ne peut pas te donner son opinion sans que toi-même tu ne sois dedans. Donc moi, I don't want it anymore. Don't bribe me. Patricia. Ok, super. Vous ne comprenez pas pourquoi tu ne te sentais pas heureuse. J'espère que le bonheur est revenu et que ça va augmenter avec l'argent. Tous ceux qui me suivent là, vous ne serez pas pauvres. Je vous dis. Souvent, les gens me voient, ils croient que. Quand vous arrivez même chez moi à Macapé, non. Un jour, une femme arrive avec son mari là-bas. Je les trouve, en passant dans le couloir, je les trouve dehors. Ils veulent partir. Non, pas. Je dis, c'est quoi? Pourquoi vous ne restez pas? Non, l'endroit, c'est trop bien. Ce que les prix que vous allez nous donner, oh, hey, je vais faire. Je serai un ganga de luxe. Ganga de luxe. Magnétie de luxe. Les Gabonais disent ganga. Vous êtes habitués que vous partez voir vos gangas là que.
Leurs enfants partent dans les petites écoles où on sonne encore seulement avec le couvercle de la mamie. Don, 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 don. Ma fille, je veux toller ma maison. Ma fille, il faut toller ma maison. Ma fille, il veut toller ma maison. Ce n'est pas moi. Je veux ça aujourd'hui, s'il te plaît. Je cherchais même ça, mamie. Tu vois comment je voyage souvent, je n'ai pas les cloches là, non. Oui, garde-moi ça, envoie-moi ça aujourd'hui, aujourd'hui là, qu'aujourd'hui tu es là. L'église Wanga, les ranges ouvert au parking. Oh, Vanessa, la vision que j'ai, on va insolenter les gens au Cameroun. Oh, pas seulement au Cameroun, même au Gabon, partout. Tu gardes, tu fermes avec tes talons comme ça, là, que... Non, c'est même le chauffeur qui va venir ouvrir pour nous. J'ai conduit même plus depuis là, donc ça va. C'est le chauffeur qui va venir ouvrir. C'est le chauffeur. On fait là, le service comme ça là. Il y aura l'espace pour les chauffeurs. Il y aura là où les chauffeurs vont s'asseoir. Oui! Oh non, j'aime les idées comme ça là. Seigneur, pourquoi tu me fais ça? Il y aura là où nos chauffeurs vont s'asseoir. Hein? Il y aura l'espoir que les gardes du corps vont s'asseoir. Oh, j'aime ça. Ça me plaît. Regarde comment ça me plaît. Regarde, moi, je suis contente. La conviction que j'ai dans mon âme. Oh, Seigneur. Souvent, j'ai envie de pleurer. J'ai souffert dans ma vie. Souffert. Et quand je souffrais, mauvaise compagnie, les hommes là, les hommes avec lesquels tu sors là, Église des femmes capables, on va ajouter à côté un petit caractère. Et des hommes capables. Parce qu'il y aura les hommes qui vont venir. Vous savez que malgré tout ce qu'il fait là, il y a les hommes qui me suivent. Hein. Ils sont que là, pian. Ils sont là comme pian. Donc on va faire église des femmes capables, en gros caractère. Et des hommes capables. Donc, le peu d'hommes que vous sentez que vous n'êtes pas intimidé au milieu des femmes qui ont l'argent, venez. On n'a pas de problème. Venez. J'aime quand j'attrape les nouvelles idées. Oh, je sens que ça vient. C'est un de mes anges là qui est là sous mon oreille. C'est lui qui a donné ça. C'est lui là. Oui. Tu arrives, on dit, monsieur, vous êtes un garde du corps ou vous êtes un chauffeur ou bien vous êtes. Ah, d'accord, chauffeur. Ok, les chauffeurs s'asseyent là-bas. C'est pour ça qu'il faut faire ça même sur 2 hectares parce que les parkings là seront trop grands. On va faire les navettes pour enlever les, pour prendre les gens du parking pour l'église. Ah! Oh Seigneur! Ah! Laissez. Ah! J'ai un de mes petits là, l'autre jour. Ça fait peut-être 3 mois qu'il travaille avec moi. Je le connais depuis 2 ans. Il reste l'autre jour, je lui parle. Après, quand je lui donne un de mes projets là, il rit. Il dit que toi, tu, là, tu parles seulement comme ça. Les choses que tu me disais la semaine passée, c'est déjà fait. Tu parles comme ça, je vais me rendre compte que tu as rien à faire. J'ai dit que c'est comme ça que moi, je fais mes choses. C'est comme ça. Notre garde du corps là, c'était la magie, je t'ai dit. L'église des hommes généreux, oui, mamie. On fait une sortie comme ça là, on parle à les orphelins, surtout orphelinat, centre de réhabilitation, voilà les gens qu'on va toucher. C'est tout. Maman, tu te lèves le matin, on dit que tu pars où? Je pars faire le service. C'est où comme ça là? Je pars au Cameroun faire le service. Eurydice, tu as l'autre, tu seras l'autre là. Oh Seigneur. Oh là là. Hey, c'est mon frère. Tu fais Yaoundé là, Yaoundé pour aller faire le service, tu rentres. Attends. Mais Seigneur. Mais Seigneur.
Jet privé, doit la Yaoundé le matin, ça vous ramène le soir. Hein? Celle que quand j'ai parlé, vous avez senti les vibrations sur vous. Parce que vous savez, j'ai remarqué qu'il y a certaines d'entre vous que on est. C'est comme si on a le même sang dans nos veines. Sérieux, c'est pas la blague. Et Dieu vous montre beaucoup mes choses. Donc, on est tellement connecté que j'ai comme ça peut-être 6. Quand elles font un rêve sur moi, elles me disent, non, mais comment que Seigneur? Moi, personnellement, je ne fais pas trop de rêves. Mes rêves, c'est les gens qui viennent me dire que non, voilà, c'est comme ça que les prophéties arrivent dans ma vie. Oui. J'ai comme ça là, mes soeurs. Oh là là. L'autre jour, c'est pour vous montrer alors le degré. De ce que vous voulez guérir, non. Vous changez la pierre. Donc vous enlevez la pierre rose, vous mettez une autre pierre. Ça, c'est le support pour mettre ceci. C'est ça. Là, vous jetez. Et le truc, c'est que. Donc, je parlais de ma soeur, là, oui. Elle est aux États-Unis. L'autre jour, elle restait m'écrire dans la nuit. Elle dit que je ne sais pas pourquoi, je suis fâchée depuis 2 jours, je suis fâchée jusqu'à. J'ai grondé une de mes filles jusqu'à. J'ai même. Après, elle s'excuse, je m'excuse, elle s'excuse, on pleure ensemble. Je vous assure que la même journée, là, je me suis. Donc, j'étais colérique avec mes employés, je ne comprenais pas. Je criais sur tout le monde. Je criais sur tout le monde. J'ai tellement crié sur une de mes employées qu'après il a appelé, il m'a dit, ma père, excuse-moi. Et quand elle me dit ça, il me va à 2 heures. Elle me dit, il lui dit, moi, ma part, on se rend compte que ça a commencé au même moment. Il dit que maman, ça, non, n'autre pas de lien là, c'est une autre dimension. Vous allez voir que. Et c'est comme ça aussi qu'il y a deux. Maëlys et Noëlla, vous êtes devenues jumelles, non? Je vous ai adopté, vous êtes devenus mes enfants adoptifs. Des jumelles. Vous vous ressemblez tellement, je ne sais pas pourquoi. Dans le monde de l'esprit, vous avez la même tête. Vous allez voir que Dieu va commencer à vous amener une famille. Que tu vois qu'à côté de ces gens-là, je peux rêver. Je peux croire. Je peux rêver. C'est ça. La vie. En fait, j'ai hâte de vivre. I can't wait. En plus, vous êtes même deux dans le direct. Vous êtes là tous les deux. Pardon, ne commencez pas à bavarder. C'est là. Mon inbox là, ne respire pas avec vous. Pardon. À 3 heures, l'autre m'écrit. Je me réveille et dis que, j'ai écrit que tu as sursauté dans le sommeil, tu m'as écrit. Hey! Pour vous là, c'est grave. Je ne suis pas dans le pays, mamie, pardon. Tu vas déposer ça là-bas, on va me donner. On va te faire le versement aussi, t'inquiète pas. Donc, enjoyons seulement la fraternité, la sororité, tout ce que Dieu a donné. On va avancer ensemble. On va devenir riches ensemble. Bon, j'ai serré le pipi jusqu'à. Attendez, pas moi pisser. Après, on va aller au bord de l'eau. Oh my gosh, je suis là où il y a la lagune. Regardez. On va aller au bord de l'eau. Recevez votre avancement, recevez votre restauration financière, recevez l'augmentation de votre revenu, recevez vos sœurs et vos frères spirituels.
famille là qui m'envoie les vidéos de ça. Elle, comment elle danse tous les matins. J'ai dit que tu danses, tu... Ouais, Seigneur. Je sais que l'enfant là me veut quoi. Bon, vous avez fait ce qu'elle fait le direct aujourd'hui, non? Il m'a écrit à 4h30 que tu ne fais pas le direct. J'ai fait le direct. Vous êtes content, non? Allons enjoy maintenant la vie. Allons enjoy la vie. Allons enjoy la vie. Vous passez une bonne journée. Recevez. Visualise une somme d'argent aujourd'hui. Je sais que d'habitude, tu as 30 000 par jour. Vois 100 000. Tu reçois ça aujourd'hui, avant 10 heures. Reçois, reçois. Reçois, reçois, reçois. Je viens ouvrir tes portes. Reçois, reçois, reçois maintenant. Je débloque tes finances. Attendez, moi j'arrive. Recevez aujourd'hui l'ouverture. S'il y a des comptes que tu devais ouvrir depuis qui étaient bloqués, s'il y a des choses que tu voulais faire depuis qui étaient bloquées, reçois cela aujourd'hui au nom de Jésus. Et viens vous fortifier. Que toute âme forgée contre vous, elle est sans effet. Tout projet que vous avez formulé, que vous avez abandonné, je déclare que vous les reprenez à partir d'aujourd'hui au nom de Jésus. Je vous positionne là où vous aurez de l'influence. Je déclare que vous allez rencontrer vos aides de destinée aujourd'hui. Les personnes qui vont faciliter vos idées. Vous savez que dans la vie, il y a des gens aussi qui vous permettent de rêver. Je déclare que vous allez rencontrer les gens qui vont vous permettre de rêver au nom de Jésus. Vous allez rencontrer les gens qui vont vous permettre de rêver. J'enlève les blocages mentaux sur vous. Tout découragement dont vous avez été victime, je vous en soigne au nom de Jésus. Vous ne manquerez pas. Tout ce que l'ennemi a construit pour vous décourager dans votre vie. Je remets en vous le sourire ce matin. Le sourire. Toute opportunité de business qui était tombée à l'eau. Je déclare que ça renaît. Ça renaît. On te recontacte. On te donne. Au nom de Jésus. Toute arme qui a été forgée contre toi, j'annule les effets de ces armes-là.
j'ouvre vos portes pour que vous prospériez. C'est les travaux chez toi que tu avais commencé, que tu n'as plus l'argent pour finir. Je viens ouvrir tes robinets financiers, que tu reçoives l'argent pour finir ce travail. Tout ce que les gens ont utilisé pour se moquer de toi. Tout ce qu'on a utilisé pour se moquer de toi. Voilà, regardez, elle a commencé tel projet, elle n'a pas fini. Je déclare que tu finis ces projets. Tu les accomplis. Tu reprends l'énergie pour relancer tes projets au nom de Jésus. Bonjour. Tu relances ces projets-là au nom de Jésus. Toute arme qu'on avait forgée contre toi, les armes de découragement. Si tu es dans une relation, les relations vous a bloqué là, je viens te débloquer au nom de Jésus. Je déclare que tu avances. Tu te connectes à ta vraie version. Tu te connectes à ta vraie version. J'active ta puissance. J'active tes dons. Je chasse le découragement de ton esprit. J'amène les bonnes personnes qui vont t'inspirer pour que tu lances ce que tu avais abandonné comme projet. Je te connecte à toi-même. Je te connecte avec toi-même. Je te connecte à la nature. Dans la nuit, là, tu hésitais, non? Lance le projet, là, tu vas voir. Tu hésitais, non? Je déclare que tu lances ce projet-là aujourd'hui. Lance, lance. Lance. Je chasse la voix de cette personne qui t'avait découragé. Tu t'es levé un matin, tu as dit que oui, je veux faire. En route, la personne a dit non. Aujourd'hui, je déclare que tu relances ce projet. Et ça aboutit. Ça aboutit. Je déclare que tes projets aboutissent. Je me rappelle un projet que j'avais en idée là. Quelqu'un m'a découragé. Jusqu'à les deux filles qui voulaient m'aider. J'ai laissé tomber. Je suis resté avant-hier comme ça là. Pam, le Seigneur me dit, relance la fille là. Je l'ai relancé une fois. Donc ça s'est tellement vite fait. J'appelle à toi les gens sérieux. Je déclare que tu as le discernement. Tu as le discernement pour voir les bonnes personnes et les mauvaises personnes. Et je déclare que les mauvaises personnes ne vont jamais te faire chasser les bonnes personnes autour de toi. J'appelle à toi les personnes fidèles. Tout mauvais sort qu'on a lancé pour faire que tu trouves toutes les mauvaises personnes là, j'enlève ça au nom de Jésus. Je t'encourage. Je te mets le courage. Je commande à la terre sur laquelle tu es. Vous faites une libation aujourd'hui. Vous prenez le jus, versez le jus au sol. Vous prenez le jus, vous versez. Moi-même, je vais faire ma part tout à l'heure. Tu prends, tu verses là où il y a la terre, là où ça rentre dans la terre. Parle, je reçois, je commande à cette terre de cracher mes bénédictions, que toute personne qui marque, qui touche ce sol-ci, sur le monde, dans le monde entier, peu importe là où tu es, dans cette ville, dans ce continent, dans le monde entier, tu me donnes ce qui me revient. Je recrache toutes les bénédictions qui ont été enterrées dans cette terre, qui m'appartiennent, que ma vie ait du goût, que je reprenne du goût à la vie, que ma vie reprenne du goût. Toute personne ou toute chose qui était venue pour décourager ma vie, pour me décourager, pour faire que je perde du goût à la vie. Je déclare que je reprends courage. Je me lève et j'accomplis ma mission. Je guéris mon corps. Je guéris mon esprit. Je guéris mon esprit. J'appelle mes clients. Je déclare qu'aujourd'hui, cette personne qui devait me contacter, me recontacter pour acheter là, qui avait tardé, je déclare que cette personne m'appelle aujourd'hui pour me donner. Je reçois, je reçois, je reçois. Je reçois. Je chasse le découragement. Je mets votre visibilité sur les réseaux sociaux. Tu découvres ce que tu vas poster en ligne. Toi qui es coach là, je déclare que tu commences à encourager les gens et ils viennent à toi. Au nom de Jésus. Toi qui guéris là, j'ouvre ton don de guérison. Je te protège contre toute embûche de l'ennemi. Je mets en toi la foi. Tu as foi en tes dons. Au nom de Jésus. Reçois ton admission dans l'école que tu cherches. La promotion au travail. Pour pouvoir garder de l'argent pour faire le business. Reçois la capacité de ne plus dépenser ton argent en désordre. Tu ne dépenses plus en désordre. Les gens qui te font dépenser là. Il y a des gens qui ne pensent plus à toi quand ils ont un problème.
au nom de Jésus. Je restaure ton énergie. Je restaure ton énergie. Je restaure ton énergie. Je restaure ton énergie. Ceux qui ont payé pour les offrandes à l'eau, je les ferai la semaine prochaine. Donc, vers mercredi, jeudi, semaine prochaine, vous me faites signe. Et ceux qui vont partir à l'eau, même si tu passes un pont tous les jours pour aller au travail, tu prends une bouteille de jus d'eau, de jus, tu marches, tu arrives au milieu du pont, tu verses et tu parles. Tu demandes la faveur des esprits de cette ville. Je déclare que les esprits de la ville où tu es, ils te sont favorables. Je déclare qu'ils te sont favorables. Ils ouvrent tes portes. Je déclare sur vous la force financière. Personne, que ce soit dans une loge ou dans n'importe quoi, aucun de tes ex qui était dans les trucs compliqués ne peut te faire du mal. Aucun sperme maléfique qui est resté dans ton corps ne peut avoir d'emprise sur toi. Je commande que ça sorte, tout ce qu'on avait mis en toi. Tu vas recracher ça. Tout serpent qu'il y avait dans ton ventre, tu vas le recracher. Ça va sortir sous forme de glaire au nom de Jésus. Tout blocage qu'il y avait en toi, je commande que ces blocages-là soient enlevés. Par la puissance du Saint-Esprit, aussi loin que cette eau s'étend et qui est connectée, cette eau est connectée à toutes les autres eaux. Je restaure ta puissance. L'eau a une puissance calme. Je déclare que tu ne te bats pas avec quelqu'un, tu ne discutes pas avec quelqu'un. Tu es une force tranquille. Tout obstacle qu'il y avait sur ton terrain, sur ton chemin, les offrandes à l'eau, si je l'ai fait, c'est 100 000 francs. Voilà. 100 000 francs CFA. Ceux pour qui j'ai fait l'offrande à l'eau, vous connaissez. Je n'ai même pas besoin de parler. Donc voilà. C'est pour l'abondance, la restauration, l'ouverture des portes, les blocages, activation des dons aussi. Toute flèche qu'on a mis dans ta poitrine, les flèches qui te bloquaient, je déclare que ces flèches-là sont retirées au nom de Jésus. Je commande au vent d'apporter tes bénédictions. Je commande à la terre de recracher tes bénédictions. Que tu les aies vivantes. Ce n'est pas quand tu vas mourir que tu vas aller dans la terre pour manger tes choses. Allez, inspirez avec moi, inspirez. Je commande à l'air là où tu es de mettre la puissance dans tes os comme tu vas inspirer maintenant. Inspirez. Wouh! Je chasse les blocages. Tout insecte, toute chenille dans ton corps. Allez, tu expires maintenant. Toute chenille dans ton corps, chenille spirituelle là, qui est là pour te bloquer, pour te ralentir, mettez-lui de blindage sur votre nuque aujourd'hui et sur votre poitrine. Et en mettant sur la poitrine, vous mettez aussi ici là. Mais je suis belle ce matin, c'est le rose qui me rend belle comme ça quoi. Mettez ici et ici. Ok? Tu frottes. Tu mets un signe de croix ici, là, sur le front pour protéger ton troisième œil et sur le cou. Tu mets aussi derrière la nuque, ok? Que Dieu me bénisse avant que... Hey, Louise, c'est comment? Dieu va te bénir, vous parlez même de quoi? Il y a des choses pour lesquelles on ne prie plus, je vous ai dit, soyez riches. Tu es là comme ça, là, je suis sûr que tu n'as pas de business. Vous ne lancez pas les business. En tout cas, il n'est même pas sorti de mes prières. Soyez riche, c'est tout ce que je peux vous dire. Lancez les activités. On ne prie pas pour que Dieu te fasse payer le loyer. C'est la base. Voilà. Donc, mettez-lui de blindage ici et ici. Et vous mettez aussi ici. Là. Ok, il y a le bras, il y a l'avant-bras. Donc, vous mettez ici, là. Voilà. Vous mettez ça là-bas. Là, ce sont les zones qu'on attaque beaucoup. C'est pas là qu'on suit souvent votre énergie. Là, 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 voilà. Vous avez souvent des migraines comme ça. Vous avez des migraines comme ça. Allez, on va encore inspirer. Allons-y. Pendant que vous inspirez, je vais me connecter avec vous. Tout l'air que je suis en train de respirer ici, l'abondance, la prospérité que je vois ici. Je suis sur les côtes, je suis dans quelque part là à Abidjan, je ne sais pas là où je suis.
Je sais que ça arrivera quelque chose. Voilà. Ok. Quand vous allez respirer, ok. Je m'accorde avec les esprits qui sont ici, les esprits positifs de cette eau. Quand vous allez inspirer, l'air qui va entrer dans votre corps là, ça va aller dans vos os. Ça va retirer tout découragement, toute malédiction générationnelle, toute malédiction familiale. Toute parole négative qu'on t'a dite, ça va sortir. Tout serpent qui est dans ton ventre là, va se décomposer. Certains d'entre vous là, vous allez m'avoir vos règles aujourd'hui, ça va sortir. Ok, allez, on inspire ensemble. Allez-y. Je m'accorde comme ça. J'envoie le feu du Saint-Esprit sur vous, le feu. Ce feu-là va consumer et détruire toute malédiction. Expirez maintenant que ça sorte. Expirez. Ouvrez la bouche, ça sort. Les paroles qu'on t'a dit hier, là, le découragement. Les statues, là. Tu as mis ton statut, quelqu'un est venu voir et t'a donné une petite parole, là. C'est comme une flèche. La flèche, là, restée dans ton bras. Inspire encore. Allez, inspire. Prends un bon coup d'inspiration. Allez, 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 allez. Voilà. Ça, là, ton estomac, là, va être vidé. Ça va vider ton estomac quand tu vas expirer. Retiens ta respiration. Maintenant, tout ce qui est dans ton ventre, là, ça va sortir quand tu vas expirer. Tu vas expirer par la bouche, un bon coup, lentement. Expire. Vide totalement tes poumons. Voilà. Comme ça sort, là. Tout insecte maléfique, toute mauvaise pensée, toute mauvaise énergie que tu as absorbée, les mauvais quartiers où vous êtes là. Je déclare que dans maximum 7 jours, tu vas trouver la maison pour déménager de là, au nom de Jésus. Je m'accorde avec les ancêtres de tout Ivoirien qui est dans ce direct. Je touche tes ancêtres et toi-même, comme mes pieds sont en train de toucher la terre de ce pays. Je m'accorde avec toi pour que tu reçoives ta libération, peu importe là où tu te trouves dans le monde. Peu importe là où tu te trouves dans le monde. Maintenant, j'utilise cette même puissance pour toucher tous ceux qui se trouvent en Europe, partout en Afrique. Que vous soyez originaire d'ici ou pas. Recevez votre libération aujourd'hui. Par ce vent qui est en train de souffler, je déclare que le vent souffle pour enlever tout brouillard qu'il y avait dans ta vie. Tu ne voyais pas clair avant. Je déclare qu'aujourd'hui, ça va s'éclaircir. Tu vas rencontrer des gens qui vont te concrétiser, qui vont te dire ce que tu dois faire, qui vont te montrer là où tu dois partir. Au nom de Jésus. Je sors vos pieds des sables mouvants dans lesquels on vous a déposé. Tout ciment dans lequel on t'a déposé. Tu n'avances pas depuis. Je déclare que tes pieds sortent de là au nom puissant de Jésus. Je déteste tes pieds. Je déteste tes pieds. Je te commande d'avancer. Je te commande de prospérer. Voilà. Je te libère et je te prospère. Je déclare que tu ne seras plus bloqué de toute ta vie. Tu ne seras plus jamais bloqué. Tu ne seras plus jamais bloqué. Tout projet que tu vas formuler, tu vas accomplir au nom de Jésus. Tout projet que tu vas formuler, tu vas accomplir. Je commande à la terre de te rejeter. Comme la terre produit les herbes ici-là. La terre qui est dans ton pays produit. Que cette terre-là te donne les bénédictions. Que toute personne qui marche sur la terre, qui mange quelque chose qui sort de la terre pour vivre, que cette personne t'accorde la bénédiction aujourd'hui au nom de Jésus. Tout projet que tu as formulé, je déclare que ces projets vont marcher au nom de Jésus. Je libère vos pieds. Je déclare que ce que vous ne pouvez pas accomplir avant, à partir d'aujourd'hui, vous allez accomplir. Les gens qui sont dans ton quartier que tu as peur de là, je viens mettre la force. Ils vont te voir, ils vont fuir. Ils vont te voir, ils vont fuir au nom de Jésus. J'active ta protection angélique. Que tes anges veillent sur toi, de jour comme de nuit. Ils veillent sur tous tes business. Toute chose qui est quelque part qui porte ton nom, je déclare que cette chose-là va marcher. Toute boutique que tu as ouverte, peu importe là où ça se trouve sur la terre. Toi-même, tu dois souffler maintenant. Souffle. Souffle, fais. Ce vent, et tu dis que ce vent-ci là apporte la prospérité dans mes magasins. Tu cites les endroits où c'est. On souffle à nouveau. Soufflons une fois encore. Soufflez. Que ce vent que je souffle, ça, ce vent me fait me stabiliser et ouvrir mes succursales sur les quatre coins de la terre. Soufflez. Citez les villes que vous voulez ouvrir. Citez. Citez.
J'appelle vos aides de destinée. Souvent, tu restes, tu dis que ouais, je cherche un fournisseur. Ouais, qui peut me trouver ça? Ouais, on vend ça où? Ouais, je déclare que tu vas rencontrer la personne qui fout, qui fabrique. Tu vas rencontrer celui qui fabrique ça aujourd'hui, au nom de Jésus. L'ennemi te bloque souvent comme ça parce qu'il sait que si tu vois la personne là, ça va t'ouvrir encore un canal de revenus. Alors là, 5000 euros supplémentaires chaque mois que l'ennemi est en train de bloquer. J'ouvre ces revenus au nom de Jésus. Reçois maintenant. Voilà. Vous allez tomber sur les fonds de commerce qu'on va vous donner à prix de rien. Tu vas trouver le tout. Non, la personne va seulement te dire que prends la clé. Demain, tu commences. Tu prends la clé. Le lendemain, tu ouvres les portes. Tu dis bonjour. Ha! Chakarababa santele kasa. Oh, vous ne connaissez pas la puissance qu'il y a là. Vous ne connaissez pas. Vous me regardez seulement comme ça. Là, vous dites la petite fille là. Je ne suis pas petite, hein. Je ne suis pas petite. Quelqu'un n'avait même pas deux clients par semaine. Tu prends le business, il y a les files d'attente. Files d'attente. Et déclare que vous payez vos choses cash. Vous n'empruntez pas. Vous prêtez et on vous rembourse avec intérêt. Les bas 20%. Quand tu écoutes ça, ça te plaît trop parce que tu connais que ce qu'il dit là, c'est toi. Tu connais que c'est dans toi depuis. Tu sais ça, non? Se faire de l'argent est très facile. Hein? Tu dis que se faire de l'argent est trop facile. J'ouvre les business que depuis tu tournais là. Hein? Tu coiffes à la maison depuis. Reçois ton salon de coiffure. Reçois ton salon de coiffure au nom de Jésus. Tu vas noter la date. Tu sauras que... Elle a dit ça un mois plus tard. Je suis tombé sur un monsieur. Il m'a dit qu'il veut laisser son salon. Il m'a dit que paye-moi par mois. Reçois ton salon de coiffure. Pense au business que tu veux faire. Je te dis que dans 3 mois, tu auras déjà ça. Tu auras tes clés et tu seras en train d'ouvrir. Ce sera ton business à toi. J'enlève la peur de ton esprit. Je déclare que tes paroles maintenant n'ont plus de frein. Quand tu dis que tu vas souvent quand tu vas sur le banc, non? Souvent quand tu peut-être tu envoies un agent immobilier chercher une maison pour toi, il demande bon quelle est ta puissance, tu vois, qu'est-ce que tu peux faire, tu vois, parce qu'il va un peu jauger avec qui il est en train de parler. Je déclare que si avant tu étais dans les 300 000, maintenant tu es dans les 3 millions. Je cherche le local de 3 millions le mois. Avant tu voulais investir 3 millions pour ouvrir, maintenant tu es dans 3 millions seulement le loyer. Il faut même payer même 5 mois avant de commencer. Et tu payes. Oui, et tu payes. Je déclare que tu es... Au départ, je vous ai dit que vous êtes une force tranquille. Tu restes et les clients convergent vers toi. Tu restes et les clients convergent vers toi. Écoute bien, je dis que tu restes et je dis que les clients convergent vers toi. Tu m'as bien compris. Voilà. Je viens upgrade le service que tu apportes. Je déclare que tu apportes un service de qualité. Tu apportes un service de qualité. Ce n'est plus le bebep. Tu apportes un service de qualité. Quand les gens arrivent chez toi, ils disent que waouh, vraiment. On te donne le pouvoir à chaque fois. Au nom de Jésus. Je te délivre de la pauvreté, de la peur. Vous savez que mes directs qui sont faits à côté de l'eau, là, c'est toujours une autre dimension. J'ai cherché l'hôtel qui a l'eau jusqu'à hier, j'ai trouvé, j'ai dit que je vais que partir là-bas. Parce que moi, il connaît mes rendez-vous. Dans le livre d'Exode, la Bible dit que le pharaon partait le matin au bord de l'eau. C'est là-bas qu'il puisait ses bénédictions. Je vous envoie toutes les bénédictions que je suis en train de récolter ici-là. J'assois d'abord ça dans ma journée à moi-même et je vous envoie le reste. Je duplique ça pour vous partager ça. Les 4 coins du monde. Mettez le pays où vous trouvez. Vous dites que je reçois les bénédictions que ce pays comporte. Si tu es dans un pays et qu'il y a l'eau et qu'on boit l'eau là-bas, ça veut dire qu'il y a les bénédictions que je suis en train d'envoyer. Partez me chercher un verre d'eau. Cherchez un verre d'eau. Oui, je crois qu'on va faire ça. Cherchez un verre d'eau.
J'aime l'eau parce que quand tu es dans l'eau, hein, hein, tu n'as pas de limite. Il n'y a pas la route, il n'y a pas l'axe loup, il n'y a pas le... Il n'y a pas... L'eau est infinie. Je ne veux pas que quelqu'un me tourne. On dit que tu ne peux pas aller comme ça, tu ne peux pas aller comme ça. Parce que moi, je n'ai pas de limite. C'est pour ça que j'aime l'eau. Vous avez prié, cherchez le verre. Si vous avez le verre, vous me dites. Me no get the time for the hate and the blame. Got my mind on my money. Hey, steady grain like broccoli. Mm-mm. Tes collègues te regardent bizarrement. Tu t'en fous. Ok, on a le verre d'eau. Je pense que c'est ça, c'est le temps. Voilà. Verre, bouteille. On parle maintenant à cette eau. Au nom puissant de Jésus, je déclare sur toi, eau, que je vais mettre dans mon corps. Mon corps est constitué de 70% d'eau. Parlez, hein, comme je dis là. Que toute personne qui boit de l'eau pour vivre ne puisse jamais parler contre moi et ça marche. Qu'aucun esprit ne puisse utiliser un corps humain pour me faire du mal et ça marche. Voilà. Maintenant, toi, oh, je déclare la bénédiction de l'Éternel sur toi. Quand tu entres dans mon corps, tu me libères de tout blocage. Tout ce qu'il y avait dans mon ventre qui est négatif, qui me bloque, ça sort. Dès que tu entres là, ça sort. Tu prends la place de cette chose-là et la chose sort. Tout serpent qu'il y a dans mon corps, comme je te bois, ce serpent-là va sortir. Tout syndrome de main percée, vous allez laver vos mains avec après. Un peu, vous allez laver les mains avec. Comme je laverai mes mains tout à l'heure, je déclare que ces mains-là maintenant reçoivent l'argent et l'argent-là est utilisé pour investir et avoir encore plus d'argent. Je déclare que je prendrai des décisions équitables, justes. Je déclare la sagesse infinie sur moi à partir d'aujourd'hui. Tu me feras du bien. Tu restaures ma vibration, toi, oh. Tu restaures ma bénédiction, toi, oh. Je te vois, bonjour, bonjour, bonjour. Tu veux parler? Ah. Merci. Waouh. Tu viens vers moi. Dites à cette eau que vous n'aurez plus jamais de peur. Vous n'aurez plus jamais peur de quelqu'un qui boit l'eau pour vivre. Allez-y. Que toi, eau, comme tu entres dans mon corps, à partir d'aujourd'hui, je n'aurai plus jamais peur de quelqu'un qui boit l'eau pour vivre. Parti. À partir d'aujourd'hui, mon cerveau qui est fait d'eau réfléchira de façon correcte. Je restaure mes facultés mentales. Cette eau, tu me libères de tout blocage de grossesse.
Tu me libères de toute maladie, tout mal de pied. Vous parlez de toutes les maladies qu'il y a sur votre corps, là, vous parlez. Comme tu entres dans mon corps, tu changes la vibration de mon corps. Je vibre maintenant à une fréquence plus élevée. Et j'attire l'argent à moi. J'attire la guérison à moi et je la reçois. Par cette eau que je bois, tu libères mon chakra de la gorge. Pour que ma voix porte aux quatre coins de la terre. Au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Je m'assois sur mon trône aujourd'hui. Allez, parlez. Je m'assois sur mon trône aujourd'hui et je reprends ma puissance qui m'avait été reprise. Par cette eau, je restaure en moi ce qui avait été pris. Je déclare que je commande les oiseaux, je commande le vent, je commande le soleil. Je commande à tout être vivant de m'apporter de la faveur. De penser bien envers moi. Au nom de Jésus. Amen. Et vous buvez cette eau. Voilà, soyez là avec vos mains avec vous. Si vous avez les enfants à côté, vous pouvez boire aussi. Vous donnez pour eux. Recevez votre autorité. Cette autorité qui vous avait été prise à la naissance, je la restaure maintenant. Toute cette journée, si vous allez être soit très fatigué, parce que votre corps va être très lourd, c'est comme ça quand on vous remplit, quand on vous remplit d'énergie. Et s'il le faut, je crois que peut-être même vous avez quitté un peu sur les réseaux sociaux, tu n'auras pas envie d'aller sur les réseaux sociaux. Vous gardez le reste si vous voulez, vous utilisez après. Je bénis votre journée. Vous êtes intouchable, hein? N'oubliez pas. Et ne vous inquiétez pas pour les gens qui vous veulent du mal là. Ils me connaissent. Quand vous allez boire là, ils connaissent que tu commences à. Vous allez voir d'ailleurs, aujourd'hui on va vous attaquer, que tu suis trop la femme là. Parce qu'ils ont voulu, ils vont venir pour essayer encore, ça va plus marcher comme ça marche avant. Elle a pris quelque chose, elle a fait quelque chose. Ouais. Ouais, j'ai fini, la pluie est tombée. Ça veut dire que le travail qu'on vient de faire a marché. Il don't waka. Sauter. La pluie est en train de tomber. Il n'a pas le temps pour le hit and the blame. Got my mind on my money. Il faut qu'elle fasse les balais. Vous faites les balais un jour ici là. Vous faites les balais. Tan 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 tan. Je devais être fille d'honneur dans un mariage quand j'avais 9 ans. La varicelle m'a pris. On avait fait les balais de grâce des cahiers. On faisait tan 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 tan. Le mariage là que j'avais raté m'avait touché jusqu'aujourd'hui, je me rappelle de ça. La varicelle m'avait touché. Oh là là. Bon. Je suis à la sortie. Je suis maintenant dans mes folies. Aucune arme forgée contre vous ne va prospérer. Merci pour la pluie. Aucun découragement contre vous ne marchera.
I was made for this. I was made for this. I was made for love. I was made for love. We were made to love you. We were made to love you. Thank you, Lord. And I will praise your name forever. I will praise your name forever. I was born to worship. I was born to praise your name. Hey. I will bless the Lord forever. I will bless the Lord forever. I was made to love you. I was made to praise your name. Hey, oh, hey, hey, yay, ooh, ooh. Oh my God, quel bonheur. L'argent arrive, l'argent arrive. Pour ce que vous avez reçu aujourd'hui, semez des offrandes. Si le Seigneur vous met à cœur, vous connaissez mon principe. Semez des offrandes, cimentez. Si vous n'avez pas, ne faites pas. Si vous avez et que vous le sentez, faites. Everything I touch, it works. Everything I put my hand go work. My name go open doors. Yes. Amen. Amen. Your life no go end in vain. Dit amen alo. Everything you go do go work. You'll be a brand, no. Your life no go end in shame. Mm-hmm. Your name will be a house name. Mm-hmm. Ton nom a du pouvoir. Où ce que tu fais va marcher. Partout où tu vas. J'arrive à la réception d'un hôtel, je ne sais même pas lequel. Avant-hier, oui. Et là, il y a un monsieur qui passe. Vous êtes une reine? Je regarde, je ris. Il fait... ah! Ça m'arrive souvent. Et après, quand je portais... Enfin, quand le bagagiste portait mes affaires, il dit, au revoir, grande reine. Et là, il me fait une révérence comme ça. Là. Il fait comme ça. Là. Il dit, oh yeah, that's more like it. Yeah, I like that. Yeah. Yeah. I like that. Yeah, that's me. Thank you. Thank you. L'affaire de reine, c'est là quand j'avais commencé ça. Si j'arrive quelque part, même si je ne dis pas que je suis une reine, les gens auront tendance toujours à... Est-ce que tu es une reine? Est-ce que tu es... Après, ça se voit, ça se voit. Ce sont vos Decepticons qui sont... Ils sont jaloux, c'est pour ça qu'ils vous découragent. Il ne faut pas qu'elle sache qu'elle est reine. Il ne faut pas qu'elle sache que quand elle est née là, elle avait les cheveux ici là qui étaient en or. Oh Seigneur. Bon, je vous bénis. Je bénis votre journée. On se quitte physiquement, mais bon, on ne se quitte pas en esprit. Vous connaissez, il y a le principe. You know the principle. Hmm? On est toujours ensemble. Hmm. Bon, je repars, je vais comme ça, je vais prendre le petit déj et puis je vais faire des consultations. Donc, si quelqu'un a payé sa consultation, qu'il n'est pas consulté depuis, qu'il fasse un message. J'espère que cela va avec le sel, hein, parce que quand vous faites la boule, vous avec le sel. Votre vibration et la mienne, ça ne peut jamais correspondre. Mm-hmm. Voilà. Donc, je bénis vos offrandes, je bénis vos dîmes. Toutes dîmes que vous avez payées depuis ou bien maintenant, je sais pas. Je les bénis. Je déclare que votre vision s'élargit encore plus. Je déclare que les projets que vous avez formulés, quand vous étiez en train de payer ces dîmes-là, que ça s'accomplisse au nom de Jésus. Mm. Je déclare que vous ne manquez pas.
Je sais qu'il y a beaucoup que vous me suivez seulement. En fait, c'est bizarre, c'est bête même en fait. Vous allez me suivre chaque matin, mais vous n'allez jamais payer une dîme ou encore même faire une offrande. Et après, je me dis, mais vous savez, le spirituel est tellement... le spirituel est ce que c'est. Donc, quand je vous parle comme ça, mes anges à moi sont là où vous êtes. Et ce sont eux qui s'accordent avec les vôtres pour faire le travail sur vous. Parce que vous avez écouté la parole qui est sortie de ma bouche et puis vous avez agi. Voilà. Très souvent, j'ai des gens ici là. Ah non, je vais seulement la regarder. Comme je ne commente pas, elle ne saura pas que c'est moi. Ne te dérange pas. C'est pour ça d'ailleurs que tu vois, tout ne marche pas depuis. Et je la suis, non. J'ai fait le bain de sel en cachette, non. Parfois, il me fatigue même d'enseigner ça. Après, je ne dois qu'enseigner. C'est ça. Le Seigneur me dit, tu dois leur dire. Parce que si je ne vous dis pas, je ne vous fais pas justice. Je ne suis pas honnête avec vous. Oui. Il y en a parmi vous, vous m'écoutez, vous n'avez jamais acheté un kit. Jamais. Les gens font des témoignages à chaque jour. Tu n'as jamais pris un kit. Kit de fondation, kit de déblocage, jamais. J'aime le visage de la femme si elle. Ne te dérange pas, tu vas seulement aimer que mon visage. Seulement que mon visage. Voilà, après c'est chacun qui voit. On ne force personne. Je préfère même ne pas forcer quelqu'un parce que le travail spirituel, c'est beaucoup de travail. Le spirituel, c'est le travail. Enfin, il y a le travail sur le travail spirituel. Il y a le travail sur ça. Fan, je vous dis souvent que fan, tu travailles, on dit que t'as pas vie. Fan, quand vous laissez souvent, c'est même pas ta mère qui va te sortir de là. N'oublie pas maman, n'oublie pas papa. Bon. Après, vous êtes des grandes personnes. Enfin, vous croyez que vous êtes grand. Venez, chantons notre Dieu, lui le roi des cieux. Ah, c'est les séquelles de l'église catholique sur moi. Les séquelles, tu restes comme ça là, il y a une chanson de l'église catholique qui résonne dans ton esprit. Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. Aïe. Exulte pour ton roi, Jérusalem. Bonne journée à vous. J'ai atteint la fin de ma marche. Il est venu pour nous sauver du péché. Tu veux que je te parle? Bonne journée. Mais je suis devenue belle jusqu'à. Ça me plaît. Maman, les fesses de ça. Les fesses ne veulent pas partir. Les fesses de ça. Jesus. On peut avoir les fesses comme ça. Bye bye. Noëlla, je sais que tu aimes tous les commentaires. Tu veux les commentaires? Aïe.